Non, les supporters, ils ont envie qu'on gagne. Ça, c'est une évidence. Ils nous l'ont fait savoir bien avant. Et nous, on sait l'importance que ça a aussi, ce match. Mais il faut l'aborder sereinement. Et puis, la tête froide. C'est un match comme un autre. Il y a 3 points en jeu. Après, bien sûr que pour les supporters, pour la direction, pour tout le monde au club, c'est de gagner, ce serait bien. Après, c'est qu'un match de foot. Non, mais c'est comme ça. J'ai vécu des derbies à Nantes, j'ai des derbies en tant que joueur à Montpellier, en tant que coach. Oui, il y a la ferveur, il y a l'envie de gagner, les deux côtés, et puis il n'y en a qu'un qui va gagner. Hein. Où il y aura un match nul. Et on espère qu'on va gagner le match, bien sûr. On va l'aborder sereinement. C'est de le jouer, le match, c'est tout. De bien le jouer. Le match, il va se jouer partout. Il va se jouer dans les duels, il va se jouer dans la justesse qu'on va mettre dans notre jeu. Et l'efficacité qu'on va avoir pour défendre et pour attaquer. Et pour marquer des buts. Et c'est pas un match comme un autre. Bien sûr, c'est un derby. On est à 50 km l'un de l'autre. C'est un vrai derby. Et il y a de l'engouement, il y a l'envie de gagner. Bien sûr qu'on a envie de gagner. On va pas. Mais il faut le jouer intelligemment. Il faut pas. Il faut être calme. Et il faut jouer demain à 19 h, pas avant ni après. Il faut être présent pendant le match. Bah, ça fait 3 matchs, ils n'ont pas pris de but d'affilée. Ils sont solides. Après, demain, c'est. Comme je le répète, chaque match a sa vérité. On l'a vu à Marseille. Hein. On était allé là-bas pour essayer de les bousculer. C'est eux qui nous ont bousculés. En deuxième mi-temps, surtout. En première mi-temps, c'était. En deuxième mi-temps, là, on n'a pas pu sortir de notre milieu de terrain. Hein. Non, mais il a fait un gros match comme il en fait depuis deux saisons que je suis ici. Voilà. Il est tout le temps présent et il remplit ses matchs comme toujours des bonnes copies. On se répète tout le temps avec lui. Voilà, c'est si le match, si on joue un match, bien sûr, déjà il va pas avoir les supporters ni moi. Après, il n'y a pas. Si le stade n'est pas plein, c'est vrai que c'est dommageable. C'est-à-dire, c'est un derby. Le match, bien sûr, il est à 19 h. Peut-être compliqué pour certaines personnes pour venir, mais pas remplir le stade un derby, c'est dommage. Pas du tout. Non, 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 non. Parce que les supporters ne sont pas venus en masse comme l'an dernier avant le match. Mais je pense que c'était le dimanche, peut-être aussi, 2 jours avant. Parce qu'aujourd'hui c'était fermé au public. Voilà. Mais l'engouement, on sait qu'il va y avoir nos supporters, on sait qu'ils ont envie qu'on gagne le match. Ça, c'est une évidence. Mais nous, on est programmés aussi pour ça. Hein. Moi, je pense que c'est une mauvaise chose. Après, l'an dernier, nous, on a été interdits aussi, nos supporters ont été interdits d'aller là-bas au match retour. Moi, je pense que. Après. Je pense que c'est bien d'avoir tout le monde dans un stade. Mais ceux qui déconnent, après, il faut les virer, c'est tout. Il faut qu'on soit sévère. Mais le problème, c'est qu'en France, on ne prend pas de décision à chaque fois. À un moment donné, il faut punir les gens. Les mecs, on les voit en photo, on les filme, tout est filmé. À un moment donné, si les mecs ils viennent pour se battre ou faire des conneries, ben, tu les vires après à vie, quoi. Voilà. Et tu peux pas empêcher les gens de venir à un stade chaque fois. Amener les supporters, un stade c'est fait pour avoir. Quand tu joues, tu aimes bien avoir ton public qui est derrière toi, qui t'encourage. Et si les mecs ils viennent que pour se battre et c'est que des abrutis, ben tu les vires après. Voilà. Et il y en a certains qui vont venir pour encourager l'équipe. Je ne sais rien, je te dis, chaque match a sa vérité, on verra demain ce qui va se passer sur le terrain. J'espère qu'on va être présent du début à la fin, comme on a su l'être l'an dernier.
Bon, il y a eu celui-là, bien sûr. Après, il y a eu d'autres matchs qui ont été très aboutis aussi. Je vous dis, c'est un match qui vaut 3 points. Même si, bien sûr que si tu gagnes pas un derby, c'est toujours difficile derrière, mais on a envie d'exister, de montrer nos qualités. Et on va voir le stade avec nous, à nous de le sublimer et de faire ce qu'il faut sur le terrain, à Finalement, travers les actes qu'on va avoir. Mais toutes les victoires te permettent de te sublimer encore plus derrière. Mais tu peux aussi capoter derrière aussi, il n'y a pas de vérité. La vérité, c'est les hommes qui sont sur le terrain, qui mettent ce qu'il faut dans le contenu pour gagner les matchs. On a été joueur, on sait qu'il y a des joueurs avec, des joueurs sans. Il y a des joueurs qui passent à travers le match, d'autres qui se subliment. Il n'y a pas de vérité. La vérité, c'est d'être tout le monde à l'unisson et jouer la même partition, quoi, pour être en pleine forme.